Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Je suis contente d'en refaire un parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Surtout qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une écrivaine américaine qui m'a beaucoup émue par ses deux romans publiés aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc c'est de ces deux romans-là que je vais vous parler aujourd'hui. Le premier sera Soroland, c'est le dernier que j'ai lu. Il y a quelques jours, je l'ai terminé. Merci encore David des éditions Aux Forges de Vulcain de me l'avoir transmis. Et Les Abysses. Voilà, qui est un joyau toute catégorie que je vous décrirai aussi également, voilà, qui puise ses racines dans le même sujet. Donc River Solomon, c'est une écrivaine non-binaire américaine qui est associée à la science-fiction et à l'afrofuturisme. Voilà, donc elle se désigne elle-même par le pronom they en anglais, donc le pronom neutre, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français à part le pronom il, et elle accepte le féminin. C'est pourquoi je vais la désigner avec ce pronom et au féminin, voilà, donc autrice et il. Voilà. Donc elle est surtout connue pour son roman L'incivilité des fantômes, que je n'ai pas lu encore, mais ça va bientôt être le cas, qui a reçu le prix Firecracker du meilleur roman. Alors je ne l'ai pas lu, mais je sais néanmoins que ça parle, du coup ça se passe dans un vaisseau spatial, où les blancs pratiquent, enfin imposent la ségrégation raciale et sexuelle auprès des personnes noires, métisses et issues de la communauté LGBTQIA+. Voilà. Donc apparemment c'est un très bon roman. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit que c'était super. Moi j'ai juste lu les deux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et voilà, donc je vais vous parler des deux, mais peut-être qu'un autre booktube suivra sur celui-ci si, quand je l'aurai lu, ou une chronique habituelle sur Insta et sur les réseaux sociaux. Donc je vais commencer par Soroland. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette autrice, elle part vraiment dans les deux romans que j'ai lus, voilà, de l'histoire colonisatrice des États-Unis, et qu'elle part de l'histoire du peuple noir et qu'elle en fait, voilà, quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc moi, je vais vous parler de Soroland en premier. C'est l'histoire de Verne, qui est une jeune femme de 15-16 ans, qui décide de s'enfuir. Le roman commence là-dessus. Elle décide de s'enfuir de la secte dans laquelle elle a été élevée. Donc c'est une secte séparatiste. Voilà, et elle, donc Verne, elle a 15 ans, elle est noire, albinos, et elle s'enfuit un jour, voilà, sur un coup de tête, et elle se réfugie dans la forêt. Donc forêt, on en reparlera plus tard, mais qui apparaît comme un endroit salvateur, un endroit protecteur, où elle est partiellement protégée. Et dans cette forêt, elle met au monde deux jumeaux, voilà. Qu'elle va élever loin de la civilisation extérieure dans un premier temps. Donc elle va apprendre à survivre et en communiant un peu avec la nature, en apprenant le moindre son, en apprenant le moindre bruit, elle va connaître la forêt comme sa poche, quoi. Et en plus, comme elle est albinos, je sais plus le mot exact, mais elle a un problème à l'œil et du coup ça l'empêche de voir très bien. Donc elle va développer d'autres sens et commencer à élever ses deux enfants dans ce contexte-là. Malgré son apparente liberté, il y a quand même un danger, on le sent assez vite, qui rôde. Dès la nuit de la naissance de ses enfants, d'ailleurs, il apparaît. Ça la menace en permanence, et ça prend la forme, a priori au départ, d'un chasseur qui la harcèle, voilà, qui décide de la harceler par tous les moyens, qui lui tire dessus. Donc elle arrive à s'enfuir à chaque fois, protéger ses enfants. Mais voilà, c'est un danger, c'est quelque chose de très très oppressant et c'est une angoisse qu'on ressent très très vite. Et en plus de ça, elle est victime d'hallucinations assez régulières, donc qu'elle ne peut pas expliquer. Donc elle voit des choses pas très joyeuses du tout, elle voit notamment des cadavres, elle voit des cadavres d'enfants, elle voit des apparitions étranges, des apparitions monstrueuses qui apparaissent régulièrement. Donc elle sait pas trop, voilà, elle lutte comme elle peut parce qu'elle sait pas si c'est elle qui devient folle, elle sait pas d'où ça vient, et bon, elle a ses deux enfants qu'il faut quand même élever, et voilà. Donc elle subit, elle survit comme elle peut, et pendant des mois, elle va vivre dans cette forêt qui la protège quand même, dont elle connaît tous les recoins, avec ses deux enfants qui vont vivre un peu comme des enfants sauvages, et qui vont, voilà, apprendre à survivre très très tôt, être autonome très très tôt avec elle, voilà. Mais un jour, il va se passer quelque chose, voilà, que vous verrez, un élément perturbateur qui va faire qu'elle est obligée de retourner à la civilisation. Et en fait, au moment, donc elle va entreprendre un voyage pour atteindre un endroit précis. Et pendant ce voyage, il y a des transformations physiques qui ont lieu.
Donc voilà, quand je dis des transformations physiques, c'est des trucs hyper impressionnants. Donc déjà, elle a beaucoup de douleurs dans tout le corps, elle a les articulations qui lui font très très mal, voilà, ça la gratte beaucoup, elle a des problèmes au niveau de la peau, elle se gratte jusqu'au sang, voilà, des trucs qu'elle ne peut pas expliquer, elle a des hématomes qui apparaissent. Et ces symptômes physiques s'accompagnent de la libération d'une force incroyable. En fait, elle arrive, du coup, elle peut, voilà, elle fait des câlins à ses enfants, c'est limite si elle leur casse pas les côtes. Elle arrive à guérir de brûlures, par exemple, très très rapidement. Donc, voilà, les enfants se posent des questions, elle aussi, mais elle sait pas trop comment c'est possible, et puis elle a pas vraiment le temps de réfléchir non plus, parce qu'il faut survivre encore une fois. Elle va voir que, afin de trouver les réponses aux questions qu'elle se pose, il va falloir donc qu'elle affronte la civilisation extérieure, qu'elle affronte son passé, et qu'elle affronte son futur aussi, qui sont tous les deux inscrits voilà, dans un pays à l'histoire traumatique en fait. Donc heureusement, elle va pas être toute seule tout le long du roman. En parvenant à la civilisation, elle va tomber sur deux personnages qui vont la recueillir, elle et ses enfants, Bridget et Gogo, qui sont elles issues de la communauté amérindienne. Indienne, voilà, on sait qu'on apprend notamment que Gogo, voilà, elle a été tirée d'une réserve. Ces deux histoires, enfin deux pans de l'histoire américaine voilà, qui se recroisent, et deux personnages en fait qui vont se retrouver beaucoup, qui vont s'unir et qui vont partager leur histoire enfin voilà, de ce pays qui massacre la moitié de ses occupants, qui a volé la terre de la moitié de ses occupants et qui, voilà, qui fait quand même des choses assez terribles. Ces colons qui ont conquis cette terre dans le sang, la violence, qui exclut une grande partie des habitants. Et voilà, mais cette gogo, donc sa compagne qu'elle va trouver, elle va l'aider en fait à trouver l'origine de son passé, l'origine de cette secte qu'elle a fui. Pourquoi elle commence à... Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle a ses hallucinations? Pourquoi elle a ses transformations physiques qui sont de plus en plus impressionnantes? Voilà, donc elle va voir, voilà, elle va devoir affronter ça pour se reconstruire et voilà, pour ses enfants aussi, parce que la relation qui est décrite avec ses enfants. Au début, c'est une maman adolescente, elle sait pas trop, voilà, et donc elle a ses enfants qui arrivent, mais elle va en fait développer en même temps que sa maturité, sa force, parce que cette héroïne est d'une, enfin voilà, elle est très très forte, elle a une grande force en elle, elle est l'incarnation de beaucoup de choses, et elle va, voilà, sa relation avec ses enfants, moi je la trouve merveilleuse en fait, parce qu'on sent que elle se débat, que malgré tout, ça la fait tenir, et qu'elle les aime plus que tout au monde. Il y a un côté très, parfois très bestial. Parce qu'il y a des scènes d'une violence extrême où elle fait preuve d'une grande brutalité. C'est vraiment, enfin voilà, relié à l'histoire du pays et à ce qu'on lui fait à elle, quoi. Donc c'est vraiment ce pays qui a construit en fait ses racines dans la violence et voilà, qui exclut une partie de ses habitants. Du coup, moi je trouve que Les Abysses, c'était son livre précédent qui était déjà magnifique et voilà, mais je trouve que là, elle a atteint un degré de fou dans la narration. Parce que vous êtes, déjà, c'est River Solomon, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup du réalisme magique, qui se situe au carrefour de plusieurs genres, entre le fantastique, l'horreur, le thriller, l'angoisse. Et là, je trouve que tous ces éléments sont très bien retranscrits, en plus de la force militante évidente qui est mise dans ce roman et dans tous les romans qu'elle fait, de toute façon. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait énormément, enfin, c'était très subtilement traité. Il y a beaucoup de poésie aussi, beaucoup de douceur. Notamment la relation entre Gogo et Verne, elle est magnifique. Les scènes érotiques décrites, elles sont libératrices parce qu'elles vont contre tous les fantasmes hétéronormés que vous avez pu lire dans je ne sais pas combien de romans et qui sont quand même encore majoritaires aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est assez beau. C'est évidemment très inclusif et voilà, c'est très très beau, quoi. Donc on a beaucoup d'empathie pour cette héroïne que la vie n'a pas, enfin que la vie a malmenée. Et vraiment, il y a cette espèce d'ambivalence entre la terre où elle a grandi, qui l'a rejetée, qui est faite de violence, qui est faite d'horreur, qui est faite de colons qui ont massacré des gens, qui ont imposé leurs règles, vraiment, ça, puis même on en croise quelques-uns, souvent les hommes en fait dans le roman, c'est des gens, des figures hyper, hyper dominantes, hyper violentes, vraiment qui, voilà, c'est terrible, mais en même temps il y a aussi cette espèce de rapport à la terre et à la nature. Donc dans la forêt qu'elle trouve, et ça va se suivre après dans le roman, cette espèce de terre nourricière qui est à la fois bienveillante, protectrice, mais qui apparaît aussi parfois dans toute sa barbarie et son hostilité, mais qui est pourtant pas malveillante, qui est juste, voilà, c'est comme ça. Elle le dit régulièrement dans le roman, elle dit les organismes, ça vit, ça pourrit,
Et voilà, et tout ça, ça forme un tout, et il y a une, cette espèce de retour aux sources et à la nature qui est hyper, hyper satisfaisant aussi à lire, quoi. Et voilà, c'est ça. Et Gogo, voilà, ce personnage, la Bridget et Gogo, donc elle, quand elle sort de sa forêt, elle est accueillie donc chez Bridget et Gogo, qui ont une petite maisonnette où du coup les enfants vont pouvoir être bien, tout ça, et qui vont s'occuper de son cas, la soigner, voir ce qui se passe. Et bah voilà, c'est ces deux personnes issues aussi d'une communauté volée par les colons, encore une fois. Voilà, ça fait, en fait, ça entrelace deux histoires d'un même pays, enfin, deux axes historiques d'un même pays qui sont quand même très intéressants. Et voilà, c'est très, très, enfin, voilà, c'est des oscillations entre poésie, bestialité, côté militant historique sur l'histoire des États-Unis, et voilà, sur les relations humaines aussi, queer notamment, qui sont très, très belles, quoi, et qui sont en fait très porteuses d'espoir finalement. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment joli et je vous le conseille, puisque voilà, c'est vraiment au croisement du roman d'horreur, de l'angoisse. Moi, j'étais vraiment très angoissée à certains moments, voilà, de trucs d'enquête aussi, parce qu'il se passe quelque chose, on cherche des réponses, on attend de voir quels sont les protagonistes, qu'est-ce qui va fonctionner, c'est fantastique aussi. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle a atteint un degré d'excellence au niveau de la narration qui est vraiment hyper prenant, et voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, les abysses. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je vous montre les abysses. Voilà, vous voyez la petite couverture. Alors, je vais vous. Enfin, vous pourrez aller voir sur ma page Instagram parce que j'en ai lu un certain nombre de cette maison d'édition tout de même. Mais quand même, faisons une petite parenthèse pour les couvertures absolument divines de l'illustratrice quasi exclusive de cette maison d'édition qui s'appelle Elena Vieillard, à qui il faut quand même rendre hommage parce que d'une part, vous pourrez les repérer assez rapidement quand vous rentrez dans une librairie, et ça, c'est quand même bien. Et d'autre part, pour en avoir lu un certain nombre, je peux vous assurer que ces belles couvertures qui sont à la fois élégantes, mystérieuses, hypnotiques, sont tout à fait le reflet du contenu, en fait. Et ça, c'est quand même pas mal, parce qu'avec très peu d'éléments, elle arrive à faire quelque chose d'hyper parlant et d'hyper représentatif du roman. Et je trouve que c'est vraiment beau, et voilà, donc merci, Elena Vieillard, de faire d'aussi jolies choses. Voilà. Et du coup, Les Abysses, j'enchaîne. C'est le précédent roman. Donc moi, je l'ai lu il y a quelques années. Je ne sais plus en quelle année il est sorti. Alors, ça se passe dans l'eau, comme vous pouvez le constater. C'est à l'époque du commerce triangulaire. Il y avait des femmes esclaves qui étaient sur les bateaux. Ces femmes étaient violées. Et lorsqu'elles tombaient enceintes, elles étaient jetées à la mer. Voilà. Une énième barbarie. Voilà. C'est horrible. Et dans ce livre, donc, on parle d'un peuple qui s'appelle les Wajinru, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui sont issus de ces enfants, enfin des enfants qui sont nés dans l'eau de ces femmes-là avant de mourir. Voilà, donc ces enfants sont nés, ce sont des créatures aquatiques hybrides et qui ont survécu en peuplant les abysses. Donc ce sont aussi des sirènes qui sont dépourvues de mémoire, elles ont oublié leur passé traumatique. Voilà, c'est un peuple qui vit ensemble. Et il n'y a qu'un seul membre de leur peuple qui est désigné pour être l'historien général et restituer ce qu'ils appellent les souvenances à tout le monde lors d'une cérémonie annuelle. Donc nous, on va suivre l'historienne qui a été choisie pour ça, qui s'appelle Yetou, et elle a été choisie donc pour être la gardienne de la mémoire de son peuple. Donc voilà, déjà, ça questionne beaucoup, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va trouver que le poids de ses souvenances, de tout ce passé traumatique qu'elle porte seule, finalement, qu'elle ne restitue qu'une seule fois l'année pour que les gens puissent retrouver leur histoire, eh bien, elle peut plus le porter, et enfin, elle dit que c'est trop lourd pour elle, et un jour, elle s'enfuit. En fait, elle nage, elle nage, elle nage, elle s'arrête plus, et elle laisse tomber son peuple, quoi. Elle s'en va, et elle dit qu'elle peut plus, que ça va la rendre folle, et qu'elle veut s'émanciper, qu'elle veut faire autre chose, quoi. Donc elle fuit son peuple. Donc en fait, on traverse les réminiscences d'un génocide et ça questionne beaucoup la part de voilà, peut-on exister sans racines et peut-on aller quelque part si on ne sait pas d'où on vient, finalement. Ce qui est très bien, c'est que c'est donc très immersif. On entend le chant des baleines, on entend voilà toutes ces créatures alliées qui peuplent les profondeurs, et l'océan dans ce cas-là apparaît comme un berceau salvateur qui a accueilli toutes les victimes de la barbarie humaine, voilà. Et vraiment, c'est d'une beauté. Enfin, déjà que moi, ça m'avait beaucoup. Enfin, rien que j'étais déjà séduite et conquise avec le contenu du résumé, quoi. C'est vraiment exquis, c'est d'une poésie absolue.
C'est autre chose, c'est comment dire, moins dense et complexe que ce Roland. Enfin, c'est pas que ce soit complexe, mais c'est qu'il y a beaucoup d'entrelacs d'histoire. C'est vraiment quelque chose de très construit. Là, je trouve que c'est une portée plus symbolique, plus philosophique. Voilà, qui est plus un peu plus immersive aussi, je pense. Voilà, c'est cette moi ce qui m'a beaucoup questionnée, c'est cette notion d'histoire, quoi. Parce que c'est vrai que on lui demande avant qu'elle s'enfuit. On lui demande, mais quand est-ce que tu vas nous transmettre, quand est-ce que tu vas transmettre à ton peuple, faire cette fameuse cérémonie où cette cérémonie, elle se présente, ben voilà, tout le monde se met autour d'elle, et là, elle transmet, et les gens s'agitent, deviennent fous, souffrent beaucoup, parce qu'en fait, ils se prennent des générations de souvenirs d'un coup dans le nez, quoi. Donc, c'est surtout ces souvenirs-là. Donc, les gens souffrent, mais voilà, mais après, à la fin de cette cérémonie, ils sont soulagés, ils peuvent reprendre leur vie jusqu'à l'année prochaine. Voilà, et on les voit au début du roman. En errance, parce que bah elle a toujours pas fait cette fameuse cérémonie, et eux ils sont un peu hagards, ils savent pas où ils vont, ils savent pas, voilà, parce que du coup je crois que c'est sa mère, je sais plus, mais lui dit il faut absolument que tu nous transmettes cette histoire vite, parce que si tu nous la transmets pas, on va mourir et on va pas pouvoir continuer à avancer. Donc voilà, où se situe l'importance de nos racines, comment l'histoire d'un peuple constitue son avenir aussi, c'est ça. Et voilà, l'importance de ce truc-là, je trouvais que c'était très bien amené. Puis cette bah voilà, c'est toujours que ça soit pour Soroland ou pour Yetou, enfin Verne, elle s'appelle dans Soroland ou Yetou, la jeune sirène qui est gardienne de l'histoire. Du coup, c'est beaucoup de responsabilité, c'est d'une injustice folle parce que à cause de toute cette histoire, de toute la barbarie humaine amenée par les colons et tous les gens, enfin toute cette horreur, en fait, bah, tout porte sur le poids de gens voilà, qui n'auraient pas à porter cette responsabilité. Donc ça, c'est des jeunes filles qui doivent porter le poids des générations d'histoire, et c'est très très difficile, et qui doivent se débattre pour survivre, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille, c'est un peu plus court. Et moi, c'est vrai que celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Et voilà, et après, je vais vraiment lire L'incivilité des fantômes. Là, pour le coup, c'est plus science-fiction. Peut-être pour ça que j'y suis allée moins bien, parce que c'est moins vite, parce que c'est moins ce vers quoi j'ai l'habitude d'aller. Mais vraiment, voilà, c'est juste les profondeurs de l'océan, cette source de vie qui apparaît vraiment comme un cocon qui a sauvé, bah voilà, oui, ces pauvres victimes, les enfants de ces femmes qui ont été jetées à la mer après avoir été violées. Tout ça pour dire que en ces temps délétères où nos droits reculent, parce que je pense que c'est le cas, enfin, aujourd'hui, on voit quand même que on part pas dans un bon, voilà, dans une bonne. Enfin, c'est un peu compliqué, disons. Je trouve que c'est plus qu'important d'avoir ce genre de roman. C'est nécessaire parce que c'est des romans qui déjà nous questionnent notre place sur l'histoire en général, qui nous donnent envie de lutter et qui nous donnent une force. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, moi je pense, que pour éveiller les consciences, tout simplement. Et voilà, là, on a l'ombre très nette du fascisme qui plane au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et aujourd'hui, voir des romans comme ça qui sont encensés et qui ont du succès, et voir que voilà, des romans own voice voilà, ont leur place aujourd'hui et défendent des idées, nous apprennent des choses aussi, parce que c'est un peu ça qui est important aussi, c'est de voilà, laisser la parole aux concernés, apprendre l'humilité que les anciennes générations n'ont pas eue aussi, et savoir où est notre place et rester à notre place. Et voilà. Donc, bref, que du bonheur pour ces bouquins-là. Du coup, je reviendrai pour vous faire un petit booktube sur L'incivilité des fantômes si jamais je le lis, et je vais le lire dès que j'aurai fini les 12 autres que je suis en train de lire. Voilà. Et voilà, j'espère que ce booktube, que j'aurai pas parlé trop vite, que ce booktube vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, voilà, c'est toujours un plaisir. Et si vous les, bien évidemment, si vous les avez lus, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou voilà, à dire ce que vous en avez pensé aussi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre booktube. Très belle journée à vous et à bientôt.